Bienvenue dans Tradition Fashion News sur Fashion Africa Channel, où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis de Jaliaï, c'est parti. Lupita Nyong'o, Laetitia Wright et Dania Gurura couvrent le dernier numéro du magazine Elle. Sur la couverture du numéro de novembre d'Elle, UK figure les co-vedettes de Wakanda Forever, Lupita Nyong'o, Dania Gurura et Laetitia Wright. Avant la soirée très attendue de Black Panther, Wakanda Forever, le trio parle de la publication du tournage après la mort tragique de leur co-star Chadwick Boseman, du film aidant les personnes qui ont perdu des êtres chers et de l'importance de l'industrie cinématographique amplifiée des voix diverses. La gagnante de BAFTA Rising Star Laetitia Wright, qui reprend son rôle de Shuru, a déclaré à la publication que son personnage m'a appris à traiter les émotions. Ce fut un beau voyage de partager cela avec les femmes de ce projet. Il y a un thème qui nous suit, l'autonomisation des femmes à l'écran et hors écran. Lupita a admis à elle, UK, qu'elle appréhendait de discuter de la nouvelle direction de la suite après la mort de Boseman, mais a déclaré que l'idée de Cool Girl lui avait offert un souffle de soulagement. Ryan m'avait déjà expliqué ce que le film allait être avant le décès de Chadwick. Quand il m'a appelé des mois plus tard pour me parler de la nouvelle idée, en tenant compte de la gravité de ce que nous avions tous vécu, je me souviens avoir redouté la conversation. Mais ensuite, j'ai ressenti une bouffée de soulagement quand j'ai entendu ce qu'il avait en réserve. Il a offert un radeau d'une mer profonde de chagrin. Danaï sur la présence de Chadwick Boseman sur le plateau. Il y avait quelque chose de très stable à penser à ce qu'il ferait ou comment il fonctionnerait. Il avait une présence si étonnante et une belle énergie qui était toujours ancrée et généreuse et présente, pourtant pouvait aussi être très calme et calme. D-Look Street Style pour nous inspirer cette rentrée. La rentrée ne rime pas seulement avec une cartable, classeur, stylo et nouveaux livres. Qui dit rentrée dit reprise. Vous démarrez peut-être un nouveau job. Vous avez enfin décidé d'avoir une nouvelle garde-robe à l'image de l'entrepreneur que vous voulez être. Mais la grande question que vous vous posez est « qu'est-ce que je vais me mettre ?» Nous avons aussi le même problème que vous. Raison pour laquelle nous tournons vers le street style de 2022 qui matche très bien avec la rentrée. Vous aurez des couleurs, des matières inattendues comme de la toile, des plumes pour rehausser vos looks de la rentrée. Nous savons qu'il est important de planifier à l'avance votre tenue pour l'occasion. Appréciez donc ces looks que nous avons choisis pour vous. Habillés gravitaient vers la présentation individuelle. Ce n'est pas par hasard que les célébrités noires ont incarné des ensembles qui ont complété leur silhouette de la semaine dernière. Qu'ils se soient rendus au défilé printemps-été 2023 des créateurs haut de gamme, au gala de Business of Fashion 500 ou la soirée Club Renaissance de la Fashion Week de Paris. L'élégance individualiste était encapsulée dans toutes les représentations. Mardi, Beyoncé a organisé une autre soirée Club Renaissance avec des stars à Paris en partenariat avec Tiffany & Co. Il n'était pas surprenant de voir la crème d'Hollywood bourdonner avec des tenues qui prouvaient qu'elle comprenait la mission. Haute avec plus, Queen Bee a gardé les détails scintillants dans un look Paco Rabanne argent métallique complet, d'un foulard scintillant aux couches de bijoux bling. La chanteuse Alien Superstar a montré que personne ne pouvait vraiment atténuer son éclat. Il faut convenir à l'unanimité que la Fashion Week de Paris a été le terrain de jeu vestimentaire de Lori Harvey sur la saison. La fille star a été repérée en vadrouille servant de grand look avec sa mère Majorie dans les rues de Paris. Chaque look était un succès car avec un styliste intentionnel comme Ellie Caramo,
on ne s'attendrait à rien de moins que l'excellence. Parmi sa longue série de tenues élégantes, il y avait un ensemble en fausse fourrure de la collection printemps 2023 de Stunt Studio qu'elle a stylisé avec 10 bijoux Fantasy Chanel. La gagnante de la saison 4 de Big Brother Niger, Merci Iki, n'a peut-être pas assisté à la Fashion Week de Paris, mais son look tout noir élégant de la créatrice Anne Ousmane pour son 29e anniversaire la semaine dernière vaut sa place. Suave ne rend pas justice à la description de l'ensemble de capes exagérées qui comportait un col roulé transparent brodé. C'est ainsi que vous sonnez la dernière semaine de votre vingtaine avec sophistication, confiance et un look prêt à affronter la prochaine phase de la vie. Comment améliorer naturellement la beauté du visage? Votre visage est l'une des premières choses que les gens voient quand ils vous regardent, avant même qu'ils ne prennent la peine de regarder votre robe et d'autres choses. Comment améliorer la beauté de votre visage vous aide naturellement à rester belle à tout moment. Connaître les bonnes choses à faire et les étapes à suivre pour que votre visage soit beau, même son maquillage, est essentiel. Voici donc comment améliorer naturellement la beauté du visage. Massez votre visage. Beaucoup de femmes ne prennent pas le temps pour prendre soin de leur visage, mais sont toujours concernées sur l'application, quel que soit sur le visage. Massez votre visage régulièrement et la façon d'améliorer naturellement la beauté du visage. Vous pouvez vous masser le visage tous les soirs avant de vous coucher pendant quelques minutes et favoriser la circulation sanguine et l'éclat de votre peau. Assez de sommeil lorsque vous dormez trop et que vous refusez de travailler, vous pouvez dire que le sommeil est pour les paresseux. En tant que femme ou homme, assurez-vous de dormir suffisamment car cela vous aide à améliorer la beauté de votre visage. Dormez au bon moment pour vous réveiller en ayant l'air reposé sans avoir l'air de quelqu'un qui a besoin de plus de sommeil. Lavez votre visage deux fois par jour. Soulavez le visage trop ou pourtant trop est peut-être un problème. La clé est d'avoir un équilibre en comprenant votre type de peau. Buvez beaucoup d'eau, l'eau est bonne pour tout quand il s'agit de beauté, car cela vous aide à rester hydraté tout le temps. Évitez trop de maquillage, le maquillage est bon, mais l'appliquer trop souvent sur votre visage peut le faire paraître vieux lorsque vous êtes sans maquillage. Assurez-vous donc d'éviter de vous maquiller tout le temps. Parfois, il est avantageux de sortir avec votre visage naturel, de laisser les gens voir à quel point vous êtes belle. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. Je suis Doja Niaye. À la prochaine. Et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye!